Bonjour tout le monde! Quel plaisir de vous retrouver, ça fait des mois et des mois que j'avais pas sorti de vidéo sur cette chaîne et j'ai le plaisir de vous l'annoncer. Me revoilà, je suis de retour. Alors je sais, vous avez vu le titre hein, et vous êtes sûrement en train de vous dire ok, il est de retour, mais pour nous dire qu'il arrête, ça n'a pas de sens. Eh ben si, justement, installez-vous confortablement, vous allez comprendre. L'ADN de cette chaîne, c'était le vlog. L'idée de base quand je monte cette chaîne, c'est de partager avec vous mon quotidien d'intermittent du spectacle, de musicien professionnel, de vous montrer les répétitions, les balances, les coulisses des concerts, etc. Et au-delà, de partager avec vous les moments forts, les moments de doute, bref, mes aventures avec tous les rebondissements, renouvellement après renouvellement, saison après saison. Seulement voilà, ça, j'en ai marre. Je vais pas vous mentir, hein, faire semblant, vous commencez à me connaître, c'est pas mon style. Pourquoi? Alors déjà, j'ai l'impression d'avoir tout montré. Des balances de concert, ça va, vous avez compris. Et puis au bout de 5 saisons de 507 heures, bah, je tournais un peu en boucle. Mine de rien, même si on a des métiers incroyables dans le spectacle vivant, bah, ça reste toujours un peu, on fait la route, on décharge, on fait le concert, on recharge, on va à l'hôtel. Je veux dire, on casse pas une guitare à chaque concert non plus. Donc j'ai décidé d'arrêter ça. Mais la bonne nouvelle, c'est que je vais pas fermer la chaîne pour autant. Saleté de rhume, deuxième. Déjà, je vais continuer à tenir informés les intermittentes et les intermittents qui me regardent. Les textes de loi, les changements, les trucs à savoir sur le régime, et tout ça. Et pour rien vous cacher, maintenant que les Jeux Olympiques sont passés, vous devriez pas avoir à attendre longtemps pour qu'on ait quelques surprises. Mais ça, on le verra dans une autre vidéo. Je vais aussi continuer les vidéos que je rangeais avant dans la playlist digression musicale, comme l'oreille absolue, les astuces contre le trac, etc. Sauf que bah là, ce sera plus vraiment des digressions, du coup. Faut vraiment que j'arrête de dire du coup, moi. Sauf que de ce fait, ce sera plus vraiment des digressions. Du coup. Et aussi, il va y avoir de la nouveauté, parce que j'ai bien envie de vous raconter des histoires. Ah oui, c'est bien ça. Parce que sur mon autre chaîne, oui, parce que peut-être que vous le saviez pas, mais j'ai une autre chaîne de vulgarisation scientifique, celle-là. Elle s'appelle Matador, allez voir, c'est aussi moi, mais c'est une autre version de moi. Sur mon autre chaîne, donc, vous avez l'air d'apprécier que je vous raconte des histoires des sciences. Et j'avoue que moi aussi, je prends beaucoup de plaisir à vous raconter tout ça, sauf que là-bas, par définition, je suis limité par des histoires autour des sciences. Et moi, des trucs incroyables à raconter sur des chansons, ben j'en connais pas mal. Donc voilà, attendez-vous à un nouveau format, je sais pas encore comment ça va s'appeler, mais j'ai déjà ma petite idée sur la façon dont je pourrais vous raconter tout ça. Et enfin, pour finir, je suis en train de préparer ce qui sera ni plus ni moins le plus gros projet de la chaîne depuis sa création. Un truc mais incroyable, vous allez voir. Mais là, clairement, ça sera pas avant 2025 le temps que j'organise tout ça. Et vraiment, croyez-moi, si j'arrive à monter le truc que j'ai dans la tête, ça va littéralement changer la vie d'une personne. Bref, j'en dis pas plus, rendez-vous début 2025 pour que je vous explique tout ça. Vous l'aurez compris, 507 heures, c'est pas fini, loin de là, j'ai encore plein d'idées pour cette chaîne. Mais ce qui est sûr, c'est que, premièrement, il n'y aura plus de vlogs sur mon métier. En tout cas, pas jusqu'à nouvel ordre. Et deuxièmement, conséquemment, et non pas du coup, j'arrête aussi la fréquence de une vidéo par semaine comme avant. Je garde l'horaire historique de sortie, hein, le dimanche soir à 18h, ça bougera pas, mais ce sera plus hebdomadaire. Donc vérifiez que vous êtes bien abonné encore et que vous avez activé la cloche si vous voulez pas rater les prochaines vidéos. D'ici là, moi je vous dis à très bientôt, écoutez de la musique, soyez heureux et prenez soin de vous.